Israël sous le choc. L'opération surprise du Hamas secoue la nation. Israël a été pris de surprise ce samedi 7 octobre au matin avec le déclenchement de l'opération Déluge d'Al-Aqsa par la branche armée du Hamas. En réponse, Israël a lancé l'opération Épée de fer, mais la situation sur le terrain demeure chaotique, marquant un sérieux revers pour l'armée israélienne qui semble avoir été prise de court par cette attaque inattendue. L'attaque de la branche armée du Hamas a suscité l'incompréhension de la population israélienne, mettant en évidence des dysfonctionnements au sein de l'armée israélienne. Selon les derniers rapports des secours communiqués en fin d'après-midi le 7 octobre, au moins 70 personnes ont été tuées du côté israélien, et la Croix-Rouge signale des centaines de blessés. Le ministère de la Santé du Hamas a quant à lui fait état de 198 morts à Gaza à la suite des frappes aériennes israéliennes en représailles à l'opération Déluge d'Al-Aqsa menée par la branche armée du mouvement islamiste palestinien. Il est à noter qu'Israël impose un blocus sur la bande de Gaza depuis 2007 et une barrière de sécurité a été érigée autour de l'enclave côtière palestinienne achevée en décembre 2021. Jusqu'à présent, Israël avait utilisé son système de défense antimissile, le dôme de fer, pour se protéger contre les tirs de roquettes provenant de Gaza. Israël avait également fait étalage de son mur de fer il y a 2 ans, une barrière de 65 km équipée de centaines de caméras, capteurs et radars, composée de 140 000 tonnes de fer et d'acier avec une partie souterraine. Son objectif, selon l'armée israélienne, était d'empêcher l'infiltration de soldats du Hamas en territoire israélien via des tunnels. Malgré tous ces dispositifs de sécurité, les commandos du Hamas ont réussi à les contourner et à pénétrer en territoire israélien sans encombre, utilisant même des parapentes motorisées pour mener une attaque sur 3 fronts différents, terrestre, maritime et aérien. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux, bien qu'elles n'aient pas encore été authentifiées, montrent des bulldozers palestiniens forçant la barrière de séparation pour permettre la circulation entre les deux côtés. Le Hamas a également publié une vidéo montrant des civils israéliens capturés par des hommes armés. Des images de soldats israéliens morts ont également été partagées sur les réseaux sociaux, bien que leur véracité ne soit pas encore confirmée. Le choc et l'incrédulité ont saisi la population israélienne, d'autant plus que cette attaque inattendue s'est produite un samedi, jour de repos hebdomadaire en Israël, pendant lequel les gens s'adonnent généralement à des activités de loisirs. Les événements du 7 octobre ont créé une atmosphère de chaos et d'urgence, laissant de nombreux Israéliens perplexes quant à la manière dont cette situation a pu se produire malgré les dispositifs de sécurité en place et le bouclier antimissile Dôme de fer. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez activer la cloche pour être au courant de chaque nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous et toutes une bonne soirée malgré tout. À la prochaine.